Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une Memory Dex, donc pour une petite fille qui aime bien les licornes. Donc, j'ai été dans mon atelier et forcément on a toujours une planche de tampons. Alors là, on a le relief, alors je vais essayer de la retirer. Voilà, deux licornes. Donc j'ai pris ce tampon-là et je suis venue le tamponner avec la Memento, comme ça je vais pouvoir utiliser mes feutres à alcool. Voilà, donc j'ai utilisé celui-ci, ici en bas. Je vais le laisser de sortie parce qu'à mon avis, après, je vais utiliser cela. Voilà. Ici, je vais utiliser une planche de tampon voyage de rêve, paysage magique. Je vais prendre celui-ci. J'ai déjà mis sur mon bloc acrylique pour pouvoir le tamponner sur ma base de Memoridex. Ensuite, j'ai pris ma Memoridex. Dex, pardon, que j'ai reçu de chez Tonton Ali avec le dies et le tampon de fond. Voilà, ne regardez pas mes ongles, j'ai déjà fait de la patouille. Donc, Marie m'avait envoyé cette mémorie là, très jolie avec la libellule, et je me suis dit, ben, je vais lui renvoyer une petite mémorie à mon tour. Donc, je suis venue tamponner. Le tampon, ici je l'ai un petit peu raté, je rectifierai avec mon crayon noir et je viendrai le coller derrière. Donc là, je suis venue faire mon fond. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais il est bleu. Vous voyez, ça fait un genre effet. Il est un effet comme ça, en bleu, pas partout. J'aime bien quand c'est pas partout. Voilà, donc je suis venue faire. Donc la peinture acrylique sur le fond, à quoi? Moi c'était plus pour faire le ciel en bleu. Il est très très clair et très très beau. Je suis venue tamponner ma petite licorne et je suis venue faire mon fond. Donc en fait mon fond, je fais donc c'est une mousse, c'est de la peinture à l'intérieur. J'appuie, ça sort ma mousse et je fais des petits ronds pour étaler ma peinture sur le fond. Voilà, ou vous faites des petits traits, peu importe. Et ça vous fait votre fond comme ça. Moi, j'aime bien travailler avec ces petits, c'est de la marque Anger, hein. J'aime beaucoup les utiliser. J'en ai un rose également et ben, j'aime bien faire mes fonds avec ça. Ensuite, donc, je suis venue colorier ma petite licorne. Donc, j'ai pris du rose, du bleu et du jaune. J'ai essayé de faire un petit peu dans des petites couleurs flashy. Alors j'ai par contre essayé de, comment dire, avec le crayon métallique, tu vois, métallique blanc de chez Action, hein, le Twin Marker ici. J'ai essayé de faire ma petite licorne ici, le corps. Hein. Alors oui, ça fait blanc, mais ça ne fait pas effet métallique hein, quand on passe. Dessus, ça fait pas. Alors, ça fait blanc, mais ça fait pas effet métallique. Ça fait pas du tout. Mais bon, je l'ai laissé comme ça parce que je me suis dit, je vais pas rattraper le truc et puis faire des bêtises. Donc, du coup, je l'ai laissé comme ça. Hop, voilà le blanc. Et j'avais fait aussi la petite. Comment dire? Comment on appelle ça? Bah zut alors, la corne de licorne, voilà tout simplement. Donc voilà. J'étais un petit peu déçue par rapport au. Excusez-moi, le truc qui vient de sonner. Enfin, le truc. C'est ma batterie. Donc il reste 15%. On va essayer de faire vite. Bref, tout le monde s'en fout. Donc après, je suis venue prendre le 121. Pour la colorier, le 123 pour colorier et le 68 en turquoise pour colorier. Donc bah pas d'effet de relief, etc. C'est vraiment j'essaye de ne pas déborder un maximum. Voilà, je préfère faire des petits traits. Ça évite de faire des petites traces. Excusez-moi aussi pour le tracteur qui passe.
Et ici, vu que c'est des petites lignes, ben, je vais vraiment tout doucement pour éviter de déborder, de faire des bêtises. Hop. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué à colorier une petite licorne. Hein. Et après, c'est un jeu sans fin, vous. Donc, je prends toujours la petite mine hein, pour colorier. Si après, vous voulez faire des fonds, vous pouvez prendre la grosse mine. Ou quand vous avez des plus gros tamponnages, vous prenez aussi la grosse mine. Ça n'a pas d'importance. Donc là, bah, c'est pareil. Vous voyez, je ne fais pas d'effet d'ombre. Je ne fais pas... C'est du coloriage basique. Hein, parce qu'on m'a déjà demandé pourquoi t'as pas montré quand tu colories. Bah, je pense que... Colorier, il n'y a rien de difficile. Après, faire des ombres, etc. Oui, c'est plus difficile, mais là, il n'y a pas besoin de forcément tout montrer en vidéo. Là, bah, je l'ai fait avec vous. Comme ça, bah, ça fera des heureuses. Voilà. Hop. Et là, le rose. Et après, vous avez juste à contourer votre petite licorne, comme là, j'ai fait. Il reste encore du blanc de temps en temps, mais c'est pas, hein, c'est pas, ça va. Après, moi, je viens couper avec mon ciseau de chaction, un petit couteau, un petit ciseau de précision, et hop, voilà, on découpe la petite licorne et ça nous fait un petit embellissement. Après, il y en a certains de planches de tampons sur AliExpress qui sont vendues avec des dies, donc, eh ben. Autant les acheter pour toutes celles qui n'aiment pas prendre avec les découper avec les ciseaux. Alors certes, vous rajoutez 2 ou 3 euros pour la planche avec les dies, mais au moins vous êtes tranquille. Donc là, je vais passer à la base de la memory, la travailler. Il me reste une petite découpe comme ça que j'avais fait mon tag Chabi Libellule. Je me suis dit, bah, je vais peut-être m'en servir. Ça, je vais le couper parce que je vois que voilà. Donc, j'avais pris ça. J'ai pris aussi des enamel dots que j'avais eu chez Stampin' Up pendant les promotions. J'aime bien m'en servir. Là, on voit qu'il n'en reste plus des masses. Voilà. Je me suis absentée quelques secondes. Vous n'avez rien vu. J'étais mettre le chat dehors parce que sinon, c'est pas possible pendant une vidéo. Alors. Comme je veux tamponner aussi en même temps, je vais peut-être faire le tamponnage avant. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire le tamponnage avant parce que si jamais. Ouais, je vais faire ça. Donc, le tamponnage que j'avais pris, c'était voyage de rêve, paysage magique. Donc, je l'ai collé. Je vais faire. J'aurais peut-être dû prendre ma Versa fine. La Versa fine. Ça va mieux avec la Versa fine. Je vais peut-être faire la marron. Allez, hop. De toute façon, j'ai pas la noire sous la main. Ça sera avec la marron. C'est pas grave. Voilà. Je viens mettre de l'encre partout. J'hésite pas à en mettre. Hein. Ouais, voilà. Là. Des fois, quand je vois qu'il en manque un petit peu, je préfère retamponner. Et je viens tamponner sur ma mémoire. Voyage de rêve, paysage magique. C'est nickel, c'est ce que je voulais. Et ben peut-être que le marron il ressortira mieux. Ouais. Bon, ouais, en fait, ça me convient très très bien. C'est parfait. Je viens nettoyer mon petit tampon. J'aurais pu le faire après. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Ensuite, je vais venir du coup placer ça. C'est très bien. Ouais, comme ça. Je vais venir le coller et je découperai ce qui va dépasser. Ouais, comme ça. Bon, allez. Peut-être plus comme ça. Non, comme ça. Bon, je ne sais pas. C'est compliqué, Mélanie. Hein. Peut-être plus comme ça. Oui, allez. Donc je prends mon petit crayon, j'appuie 2 ou 3 fois dessus pour faire sortir la colle. Je viens mettre la colle dessus. Alors ça sera mieux à main levée.
Hop. Alors, j'avais dit comment? J'avais dit comme ça. Ouais. Clac, clac, clac. Je vais venir découper après avec mon ciseau. J'évite de mettre de la colle sur ma planche quand même. La tenir assez propre. Je vais venir découper. Donc le mieux, c'est de découper à l'envers ce qui dépasse. Au moins, fais pas de bêtises. Là. Voilà, merde, mon tampon. Mélanie, t'as pas attendu que ça soit sec. Et ben voilà, regardez ce que ça fait. Horrible, horrible, horrible. Ah, j'ai mis mes doigts dessus. Eh ben, il va falloir que je le tamponne et que je le découpe. On va rectifier ta bêtise. Bah oui, on va rectifier ta bêtise. Donc, on va rectifier, hein. Comme quoi, vous voyez, une erreur. Voilà. Ah, je vous jure. Donc voilà. Je vais venir le découper. Je rectifie. Je vous montre hein, que des fois, ben, il y a aussi des erreurs. C'est tout moi, hein. En même temps. Donc là, bah, je vais essayer de pas. Ça, c'est Sonia. Essayer de pas refaire la même boulette. Je vais le remettre là. Voilà. Alors là, il manque du bleu. C'est terrible ça, hein? Terrible, terrible. Voilà. Donc là, bah du coup. Ah, des fois, hein, je vous jure, à me dire, mais pourquoi elle l'a pas tamponné directement sur sa mémoire? Ben voilà, parce que comme ça fait quelque chose de spécial. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi gourde comme ça. Ah, je vous jure, ça, c'est tout moi. Voilà. Je vous jure. Non, ça fait pas beau, ça ne me plaît pas. J'ai tout flingué à cause d'un tampon. Ah. Rectifier avec des enamel dots, bah voilà. Mélanie, arrête de râler. C'est fait. On n'en parle plus. Ouais. Voilà. Ouf. Ma petite licorne. Du coup, je vais la mettre là, en essayant de pas trop gâcher le truc. Je vous jure, non, mais je vous jure. Ah là là.
Quand Marc va voir le tuto, elle va dire, ouais, d'accord, bah Mélanie, elle a fait du grand n'importe quoi. Bah ouais, mais je voulais te faire plaisir, alors du coup, bah, voilà. Espérons que celle-ci, elle colle, tant qu'à faire, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Ben voilà, ça peut le faire. Tu m'en voudras pas, Marie, hein. Ici, du coup, je vais en mettre une bleue ici, des étoiles. Voilà. Et des jaunes. Si j'arrive à attraper, voilà. Oh zut, il n'y a plus d'étoiles sur celui-là. Oh, mais zut alors. Je colle un peu partout. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais rajouter d'autre, Mélanie? Ben, je pense que c'est déjà bien parce que tu as déjà fait des bêtises comme ça. Je repasserai un petit coup de crayon quand même sur le rêve ici, sur le E en marron. J'allais dire, je vais chercher. Mais non, je ne vais pas aller chercher le crayon pour faire pire que mieux. Donc, je vais hors vidéo le reprendre. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais faire des bêtises. Donc là. Elle est finie, ma petite licorne. Il y a le rêve quand même. Oh, ça me. Je vais chercher. Me voici, me voilà. Donc, hop. Je vais tester, voir si c'est le. Oui, c'est le même. Regardez. C'est le même. Donc, je vais rectifier. Je colle. Voilà. Pas magnifique ça. Voilà. Ni vu, ni connu. C'est rectifié. Mais voilà, c'est pas magnifique. Du coup, je vais en remettre un petit peu sur le M. Voilà. C'est nickel. Suis contente. Je suis contente de moi. J'ai réussi à rectifier ma bêtise. Alors certes, le contour, bah, ça fait comme un nuage. Bah oui, un petit nuage. J'aurais bien aimé rajouter. Oups! Des nuages peut-être là. Bon, je vais peut-être pas faire des bêtises. Non, je vais pas faire des bêtises. Je vais laisser comme ça. Voilà. Comme ça, je vais marquer mon petit mot derrière. Voilà, elle est très très bien. Rajouter des paillettes, ça c'est Lucie. Quand c'est pas Sonia, c'est Lucie. Voilà, donc je vais rajouter. Oh non, pas des paillettes. Non, je laisse comme ça. Elle brille assez comme ça. Voilà, je vais juste coller ça derrière. Hop, je vais coller comme ça sera mieux. Clac, quand même la finir avec vous. Alors là, bah j'en ai mis une tonne comme d'habitude. Et Mélanie, bah elle va encore utiliser son doigt. Voilà. Voilà. Au lieu d'utiliser un pinceau, bah oui. Eh ben non. Voilà. Et voilà. Donc je vais bien l'aligner avant que ça sèche. Dépêche-toi, Mélanie, ça sèche déjà. Vous voyez, ça c'est bien et c'est pas bien. Hein. Il faut vraiment bien le centrer d'entrée de jeu, sinon après pour le déplacer, tintin. Là c'est bon. Ouf, la mémoire est collée. Donc eh ben là, elle est finie. Ouf, 20 minutes, c'est pas génial. Et là, je vais marquer mes petites coordonnées. Donc voilà, bah j'espère que la memory va plaire à Marie. J'avais envie de la filmer avec vous, de partager avec vous. Puis en même temps, bah vous voyez que quand on fait des erreurs, bah on essaye de rattraper comme on peut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!